Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un très bon dimanche. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, on vous emmène en famille chez Truffaut. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on aime bien aller chez Truffaut, surtout dans la période de Noël. Truffaut aime bien installer en avance leurs décorations de Noël. Début octobre, normalement, vous avez toute la déco de Noël. Et Maëlys aime beaucoup aussi regarder les animaux, surtout les lapins. Franchement, elle adore ça. Donc, je me suis dit que j'allais vous filmer tout ça et vous dire aussi qu'on a arrêté le téléphone pour l'instant. Donc, Maëlys, plusieurs fois dans l'année, on arrête complètement le téléphone. Ensuite, c'est vrai qu'il y a parfois des événements, donc je suis obligée de lui donner le téléphone. Du coup, on continue une semaine, voire 2 semaines. Et après, hop, rebelote, on arrête le téléphone. C'est très, très dur parce que, voilà, là, elle grandit, elle fait plus de crises. Donc, j'avais envie de vous partager qu'on peut y arriver. On peut arrêter complètement le téléphone ou sinon tout ce qui est écran, télévision. Par contre, à la maison, elle a droit à regarder la télé, une chaîne. C'est Piwi Plus. En ce moment, elle regarde ça. Ensuite, bon, elle a un temps de... Comment vous dire? Elle regarde pas du matin au soir la télévision. De toute façon, la journée, elle est à l'hôpital de jour. Mais quand elle rentre à la maison, on lui donne 1 heure ou 2 heures de Piwi Plus. Et le reste du temps, de toute façon, soit c'est activité ou sinon, c'est le temps qu'on fait la douche, qu'on mange. Voilà, le temps passe très, très vite. Et ensuite, il est l'heure de dormir. Oui, à la maison. On est là pour regarder les plantes, les animaux, le Père Noël. Oui, elle demande à chaque fois iPad, iPad. Donc iPad, c'est son téléphone portable. Je lui dis oui plus tard, mais en fait, je lui donne pas. Si je lui dis non, eh ben, elle va me faire une crise, elle va hurler. Donc, je préfère lui dire oui plus tard, mais en fait, je ne lui donne pas. Qu'est-ce qu'il y a? Attends. J'ai trouvé ta plante même sans plante carnivore. Ah ouais.
les décorations de Noël, mais pour mademoiselle Maïlis, voilà quoi. Oui, je sais bien faire le bruit des poules. Ne rigolez pas trop, hein. Mais bon, Maëlys, elle adore les poules, les coqs. Elle kiffe. Elle kiffe, elle kiffe. Pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que j'aurai motivé quelques parents, car quand je lis des messages, je lis parfois, oui, Belma, nous, on n'ose plus sortir dehors dans les magasins. Franchement, je sais que c'est pas évident, mais bon. Essayez de sortir dans des endroits où vos enfants aiment bien, par exemple Maëlys, elle aime bien tout ce qui est déco, tout ce qui est animaux, donc c'est pour ça qu'on aime bien aller dans ce genre d'endroit. Les regards des gens aussi, voilà, ça énerve un peu, mais bon, vous voulez faire quoi? Je sais qu'on doit toujours se justifier, mais bon, à un moment donné, moi je me justifie plus, hein. Même si Maëlys doit gueuler, ben, elle va crier, elle va hurler, c'est pas grave. Donc, il faut trouver des petites méthodes. Mais bon, moi je vous fais confiance. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu plus motivé. Je vous donne du courage. Je vous fais des gros bisous et merci beaucoup pour tous vos commentaires. C'est vous, vous aussi, vous me donnez de la force à avancer avec Maïlys. On vous fait des gros bisous et moi je vous dis à demain pour une autre vidéo. Ciao, ciao!